tigre avec le bouclier comme Link. Mais rien à dire, je le trouve vachement pratique. Oh là là. J'essaie de pas trop perdre mon temps avec eux, mais... Alors, les masques que j'ai. Bon, je vais me transformer en Link, comme ça tu les verras mieux. Voilà pour le moment tous les masques qu'on a. Donc il y a le masque de l'explosion, le masque de la pierre, le masque de la grande fée, le masque des parfums, le masque de Don Gero, le masque du lapin, le masque de Brême, le masque de Romani, la cagoule Garo, le masque de Mojo, le masque Goron et le masque Zora. Ces gars sont rapides alors c'est plutôt difficile. Hein quoi? Qu'est-ce que tu me dis? J'ai pas compris. Mais pourquoi as-tu besoin d'une bouteille vide, Miko? Hey Miko, tu veux faire le truc que tu faisais tout le temps? Alors le truc dont il parle, c'est réussir à casser tous les vases d'un seul jet. Alors c'est pas évident. En plus, je crois que je suis mal placé. Ah, je suis mal placé. Je recule encore un peu. Il va me taxer du coup. Qu'y a-t-il? Tu as perdu ton adresse à force de trop jouer de la guitare, Miko? N'étais-tu pas capable de briser tous ces pots d'un coup? Tes mouvements étaient raides, comme ceux d'un amateur. Désolé, mais je dois te facturer 10 rubis pour ces cruches brisées. Si tu les casses toutes d'un coup, je donnerai un lot intéressant. Retente ta chance une autre fois. Alors là, actuellement, j'en ai 3. Ouais, 3. Oh là là, mince. Alors du coup la petite astuce ici c'est que même si on n'a pas 10 rubis on peut quand même faire le jeu. Simplement on le remboursera pas en fait. Je suis toujours trop proche. Faut que je recule encore. On va reculer bien comme voilà. Parce qu'en fait quand je mets quand j'enclenche mes boomerangs, je fais un pas en avant et ça m'avance vachement. Ah, oh, presque. Non, j'ai pas fait la... J'ai pas fait les castors encore. Oh non. Ah, par contre, je suis trop loin, je pense. Okay, on va quand même essayer. Voilà, je suis beaucoup trop loin. Du coup, je vais me recentrer. Hop, on va avancer un peu. Là, parfait. Et là, je pense que c'est bon. Oh, je suis encore trop loin et je suis pas centré. Ah, parfait. Nickel. Bien joué, Miko. Tu as l'air content. Bon, voilà 100 rubis. Sauf que remplacer les jarres coûte 10 rubis, alors je dois les déduire. Ah, mince. On a que 10 rubis, du coup. Ah, c'est pas grave. Faut bien que je montre la quête des castors, aussi. Par contre, je sais plus si j'ai accès aux castors sans l'objet du deuxième... Enfin, du troisième donjon. Ouais, voilà, ouais. C'est bien ce que je me disais. Ah, coucou Majin, comment tu vas? Et hop là, un quart.
Ramassez 4 quarts de cœur pour assembler un nouveau cœur. Chaque cœur que vous assemblez augmente la quantité d'énergie maximale dont vous disposez. Ok, bah bon appétit à toi, Goron. Comment tu vas, Majin? Alors du coup, il m'a fait qu'ils excitent sur les arbres en haut, mais pour le moment, c'est inatteignable. Ça va, ça va. Alors, je vais récupérer un petit quelque chose. Oh là là. Je déteste ces machins qui sortent du sable. Ah, tu fais mumuse avec Nightbot? Bon, du coup, Epona ne veut pas venir. Enfin, Epona ne veut pas venir. Je veux dire, j'ai besoin d'Epona pour venir, enfin, pour sauter. C'est impératif. Le boulot, bah ça va, nickel, ça se passe bien. Et puis toi, comment ça se passe le travail? Ah bah oui, c'est vrai, les vacances, oh là là. Ah, belle chance, hein. C'est pour le mois de juillet, les vacances, pas avant. Ah, deux quarts de cœur, nickel.
Tu joues à ça hein? Ah si, juillet. Hein? Ah vivement juillet. Voilà, ça a été vite. Vous obtenez un quart de cœur, vous en avez maintenant trois. Bon, on va chercher un dernier quart de cœur. Non, vivement juillet, pas septembre. On avait essayé la dernière fois quand on était en direction du deuxième donjon. On avait raté notre coup. Enfin, j'avais raté mon coup. Et il me semble que l'entrée est juste là. Stop. Voilà, puis là, du coup, on est en Goron, ça va être plus pratique. Parce qu'on va pouvoir éviter les coups de queue. Même s'il est un peu plus lent, maintenant je peux faire ça. Et hop. Alors, j'arrive à pousser le dragon. Et du coup, en 3 coups de Goron, c'est fini. Voilà, parfait. Ah non, pas la fin du monde, quand même pas, faut pas exagérer. On va déjà profiter des vacances avant de profiter de la fin du monde, non? Voilà, un cœur de plus. On va déposer nos rubis et ensuite on retournera, enfin on ira sauver le, enfin retour dans le temps. Et si les vacances c'est la fin du monde, dans ces cas-là c'est bien malheureux parce qu'on pourrait jamais se reposer. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire aussi avant. Oh, je crois que j'ai pas assez. Bon, tant pis, on va pas le faire maintenant. Coucou Goron. On va déposer les rubis. On a récupéré 4 morceaux de cœur et du coup ça nous a fait un cœur en plus. Et là je vais m'apprêter à passer à la suite, du coup je vais remonter le temps pour être tranquille et avoir tout le temps dont j'ai besoin. Voilà, comme ça on va pouvoir directement se...